fait que pour l'instant cet OD ne récupère pas de kill. La BKB qui va arriver de la part de Albion avant qu'il se fasse empaler. On va avoir le Global Silent sur la BKB de cette PA qui est en train de se faire. Qui est obligé de reculer, c'est pas ce que tu veux avec ta PA. Mediane qui est en train de se faire go par Paradox. Paradox il n'aura pas le temps de se cacher là-dessus. Et qui va se prendre un deuxième stun de la part de Trafchka. Pendant ce temps, Merwan il a encore un ulti. La triple arène qui va connecter. Il n'y a pas de BKB de la part de Albion. On va récupérer H, le super Echo Slam qui va arriver en follow-up. L'ulti de l'OD qui va récupérer 2 kills dessus. On va disruire, bye bye. Non, on sauve, bah, on sauve ce disru. Au cookie, ok. Le song, attention, il y a le Mars derrière. Aïe, oh, c'est bien exécuté. Oh, le Mortimer Kiss qui fait beaucoup de dégâts, le Rubik a réussi à s'en sortir. Et du coup, est-ce que Mars va tomber? C'est ce Timber qui tombe. C'est ce Timber qui tombe. Monkey King maintenant, seul contre 3, il récupère un premier kill, il retourne maintenant sur le PL qui bâche évidemment avec le stun du X-5 qui arrive, le stun du sniper et le Beastmaster Kablinkin qui va mourir à son tour. Gueule. C'est bien ce que fait il se trappe là-dessus. Allez, par contre, MTD qui va pouvoir punir avec l'arrivée du déso. Est-ce qu'il peut mourir? Oui, il va perdre la vis de l'immortel. Hein. Il était à Roche pendant ce temps-là. Le stun qui va bien connecter par contre de la part de la Lina avec le lasso Zeppelin juste derrière. On va punir quand même Zeppelin côté nomade. Attention à cette ursa, c'est très difficile de réussir à le gérer. Le stun qui est touché une fois de plus par la Lina et ça va être un ultra hein, je pense de MTD là-dessus. La fin, Link. Hein. Voilà. Allez, double call de Snow. Qui va éviter la lance. Il va mettre 50% PV sur RVP avec l'ulti dish. Qui va bien rebondir. Il va s'écraser sur l'esponge. Il va rebondir sur les deux supports. Et derrière, la proto-billette. Cry. À la recherche des kills. C'est passé long PV sur la gauche. Il a vu le double coil. Il veut éviter l'X-Well. Il va aller terminer les kills, Cry. Oh, il court vite, Cry. Il court très très vite, mesdames et messieurs. Même quand t'as pas de charge. Oui, t'as un effet, mais ça se sent vraiment pas. On pourrait avoir regardé. On a tué le Pugna derrière. On a tué le Pugna, l'ulti Cottle qui travaille énormément. Est-ce qu'on peut sauver cet Ember Spirit? Cet Ember Spirit, pour l'instant, il a l'air de s'en sortir. On a deux zombies, trois zombies qui lui courent après. C'est short, hein. Très short. Il va se repositionner. Il va TP ce jug. Oh, cet Ember, il peut TP. On essaye de clean la tombstone. La tombstone, elle va dépop. Oh punaise, il prend trop cher. Apoc. Ulti qui part, ouais, bien joué. Et on a toujours pas tombé Spy, hein. On a toujours pas tombé. Oh si, c'est bon, on va tomber. Oh, cet espion, il était tank. Oh, oh bah ouais, mais tu vas mourir. Ah oui, là tu vas mourir, Jug. Il grid toujours, ça fait plusieurs fois qu'il grid un peu ce jeu quand même. Y'a pas que le jeu qui grid, j'ai l'impression. Guard plus cette dress après. Ouais, ouais, c'est ça, c'est je sais. Oh, oh shelter, oh shelter. Il va peut-être faire Vanguard. Il va mourir. Ouais, il va mourir. Ouais, avec lui, il va mourir avec la malle. 100%. Oh, c'est Paradox, il va récupérer. Le Doc est 6 lui d'ailleurs. Ouais, là, il a un ulti potentiellement. Voilà, il va l'utiliser. Il va récupérer Adrenin. Mais bon, sinon c'est Kunka qui allait le tuer. Il avait le cul entre deux chaises. C'est mourir du Kunka ou mourir du Doc. Est-ce que le PL peut nous terminer ce Paradox? Ah bah non, parce qu'il s'est pris le torrent, la malle, il est mort. Ah quoique il avait un stick. Ouais mais il y a la manie, on sait quel est le vrai. Et Rampage de la part de Paradox qui a récupéré en plus le disruptor. Il y a eu un call qui a été posé au mid sur H qui va le casser. Watt qui est derrière, on a massacré littéralement ce Phoenix d'Aurore qui a été lancé sur une sorte, mais ça suffira absolument pas. On va arriver de la part de Matrice qui va encore gratter. 5-2, dommage. Et on va juste aller chercher la tour, le GG qui est call ici. La part d'attaque qui ne peut absolument rien faire. 17 minutes. Snow qui est en train de jouer avec Fleron. Snow qui va faire face. Ouh oh 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 baby. Ça c'était beau. Oh c'était beau. LTB qui se refait go par notre fan préféré. Et bien Humanoid qui est que level 7. Hein. Évidemment, il n'a pas des points de Sander, il a du Magic Wand, mais on imagine que voilà, dans tous les cas, elle est généreuse, hein, l'orbe de Joral, elle est suffisamment large, et 20 à 0, ce n'est pas un score de rugby, c'est ZDR qui est en train de plaquer littéralement les joueurs de Hit the Trap, avec le DK qui va se faire courir dessus, on est sous les T2 côté ZDR, et une nouvelle fois, proche des T3, double silence de Joral avec une arcane rune qui hit and run, et qui vont permettre de nouveau de trouver un 5-0, 23 à 0, une T2 en prime. Ah ça je savais pas. Ah non elle s'est bougée, c'est pour ça. T2
c'est pour ça qu'elle s'est bougée, ouais, il a pu prendre des dégâts. Mais oui, mais en fait, dans l'idée, c'était peut-être pas ce qu'il y avait. Joral, il prend beaucoup de dégâts. On va avoir la grève sur cette naga. Est-ce qu'on peut reculer de la part de Joral? Le heal peut-être? Non, mort, pas de heal. Y a rien. On va pas tomber. Le suicide est magnifique. Est-ce qu'on a un nouveau heal de la part de Adrinin? Non, on n'aura pas de nouveau heal. Ah, je pense que cette naga aurait peut-être pas dû se décaler pour que le. Comment dire? Oh, oh punaise! Il a fait sur le nécro, là. Ouais. Et on va. On a. Ah, oh la charge de la part de Snow qui va peut-être empêcher à Poc il connecte. Ouais, il a raté son crush, il va se faire route, il va se. Aïe 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 aïe. Non, le blast. Ah, c'est bon, on récupère bon. Finalement. Alors le Monkey King c'est chiant parce que je crois que c'était sur un arbre. Attendez, c'est peut-être. Arbre, ah, peut-être. Oh, attention, la charge qui va arriver sur Adrenin qui va mourir. Ouais, sans BKB c'est très compliqué. Il a eu le temps d'activer la Bluestone. Cry qui est en train de fight. On va récupérer Link. On a un buyback de la part d'Adrenin. Est-ce qu'on va pouvoir sauver Snow il est pas bien. Snow il va pouvoir charger. Martoni qui va mourir. Attention Adrenin pendant ce temps là qui a buyback, qui essaye de revenir et qui va potentiellement tenter de récupérer Dashi. Il va mourir. On a un silence qui vient d'arriver sur Fléchy qui n'aura pas le mettre. Qui n'arrivera pas à mettre le coup de bambou. Est-ce qu'on peut TP de la part d'Adrien? C'est bon, on peut ouais, TP. Il y a plus de cancel. Les héros qui peuvent cancel sont morts. Tu tapes à Roshan le temps que le missile arrive. Et une fois que le missile arrive, tu termines Roche. Une connerie du genre. Allez, c'est d'ailleurs qui a trigger sa BKB. Il va trouver la BKB de Matrice. C'est important ça. C'est une BKB fraîche qui a été activée de la part de Matrice. Avec Simas qui va aller jump sur l'Oracle. Qui va être protégé par Mokix. Ça ne changera rien. Est-ce qu'il a un buyback cet Oracle? Il n'en a pas. Elle sait qu'il va tomber sur la gauche sur une DPS de Matrice. Qui va venir les découper. Pendant son Kidney qui va aller sauter sur la backline. Qui avait un cheese. Il va aller activer son cheese. Il est en train de se faire kite. Puff Rainy. Il peut plus taper Kidney. Ils sont obligés de reculer. La lance de Simas qui est foirée. Qui a pas été suffisamment patient, Matrice qui va essayer d'y retourner avec sa dague. Il vient de jump in, il vient de récupérer l'armor corruption. Le décret pour laisser un petit peu de temps à ce gyrocopter. Le coup de Nightfire de Matrice pour avoir le dispel offensif. Mais on voit pas le décal de ce planté vite avec son ulti en poche, je sais pas. Et attends. Et qui va le mettre. C'était joli ça, Nomad. Je pense qu'un Astral step défensif sur un club ça avait été toi, un roi. Il y a un roi qui a été posé, c'est sur l'ouest de la teamfight. La Kintek qui est en train de tanker le roi. Il n'y aura pas de heal. Avec le Nécro qui peut pas protéger ses coéquipiers. Ils sont quatre posés. Oh non. Ok, faut pas paniquer, faut Ice Pass là. Faut pas Ice Pass. Oh merde, ils sont en train de faire un strabisme, Gigio. Ils sont en train de se dire non les uns les autres. Allez, le Beastmaster qui va aller sur en ligne. La Snowball pour aller contrer l'ulti du Nécro qui gagnera en tempo dans cette teamfight. Mais Kikney qui est hyper violent et qui est sur les appuis. On va dodge Glimpse la part de Yopaman avec le route de Manorod qui va aller poser sur Kikney. Est-ce qu'il peut continuer à aller dive? Cette Naga Sirène qui a pas de dispel. La Manta qui revient dans 9 secondes. Il est gourmand Manorod, il a raison. Allez, chope là. Oh, le double tourniquet avec derrière le kinetic field pardon qui va être posé, qui va être loupé. Quentin qui est dans la merde, il va tenter le TP out, les creeps qui sont sur son dos et Yopaman qui va aller récupérer le kill. C'est pour la tour, après c'est un peu dangereux. Mokix qui avance à la vise. Avec Manorod qui va aller poser son ultime. Manorod qui va se faire accrocher sur le droit de l'arène qui a pas le temps de monter style. Le dunk qui ne sera pas dans le threshold mais qui quand même permettra de terminer le kill. Ça sera l'état avec le DPS de Fleron pour l'instant sur la droite. L'ulti de la Médusa, c'est une erreur. Ça on en parlera juste après, mon cher Guiguio. C'est pas bien, monsieur Manorod, de s'être fait voler cet ulti avec le clutch de Intek. Est-ce que ça permettra à son équipe de se retourner quand même malgré la mort de cette Death Prophet avec le Ricky qui se fait focus, le Ricky qui va aller lâcher un trick of the trade qui est l'OPV et mourir sur un Fate Bolt. Le retour de Nomad qui va aller allonger son ulti peut-être pour les terminer cette teamfight. Vas-y mon Nomad, fume-les tous. Trop proche de Yopoman pour pouvoir le toucher. Un coup de mortier, Manorot en DPS poteau, il fait pas mal pour l'instant Manorot Gigio. Coup de cookie permettra à Nomad de se repositionner autour de cette T2. L'OPV, il a envie de le dive. Allez, mets ta halbarde mon bon Kikney, tu peux aller manfight Manorot, il y va. L'Elisabeth qui se stack. C'est le morph qui est cool pour Tygoon en last là, je pense, dans l'idée d'avoir un deuxième carry. Cop. Ah merde, mec, j'ai oublié de renommer. Oh, quel trou de balle. Quoi? Ma cop s'appelle pas Queen of Pain. Mais pourquoi elle s'appelle pas Queen of Pain? Qu'est-ce que t'as fait? Elle s'appelle la boulangère. Et bon, ce simple kill donne suffisamment de confiance pour aller prendre la T2000. Il y a un ulti qui est posé sur le Slark. Qu'est-ce qu'on setup avec ça? Pas de flèche. Rien, hein, il est pas bon ce petit Winter. Hein. Non. Il est pas bon. Et du coup ça met Matrice en danger avec la relocating pour mettre le Slark proche de Matrice qui a sa BKB qui est en train de lui proposer un coup de PV. Oh putain, le Pugna mec one shot, il a one shot Matrice. Il l'a one shot, il l'a défoncé putain. Avec Windstorm sur le dessus qui va se faire dunk par Merwan. Et c'est là où il leur fallait un ulti Winter Wyvern. La Queen of Pain qui va aller lâcher son ulti tardivement dans cette teamfight qui ne récupérera rien si ce n'est un petit whiff sur la backlane.
Bah justement, moi c'est ma question, c'est est-ce que ça rend pas sur le big dégâts et on m'a dit que non. Enfin quoi, je sais pas. Oh lui il a perdu son aigle, bon, le Patrice il a rapide. Oh le What the fuck. Non mais baquet. Oh là 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 là, le TPS du Matrice, putain de merde. C'est bon, le decrypt fire il était posé par Paradox. Le Yo se fait chase. Eh, hey, faut pas laisser Matrice taper. Hein. Ça va qu'il se traîne du cul. Hein. Ça va qu'il se traîne. Hein. Limite, envie de le force-taff, le Terrorblade pour le faire avancer. Ils sont en train de les kite avec le Shadow Demon, avec le Pugna sur la gauche. Attention, petit Pugna, il va se self-glimmer. L'ulti du Shadow Demon qui va être posé. Oh la vache, le SD qui se fait découper par les illus de Matrice. Matrice qui va se bécamer autour du Pugna qui va prendre le fire. Il va se faire instant. Allez, paf, tu dégages. La Relocate qui ne passera pas. Merwan qui va reblinking pour tenter de la récupérer Matrice. Matrice qui se retourne. Mec, les dégâts du TB. Le buyback du Yo, le buyback du Slark. Avec qui va okay, attaquer circule, le Mars. Ouais. Le Mars il a son talent de régène HP, non il a pris les crits du God of Bioke, le coup de force staff de Windstorm, il va pouvoir blinkot, la relocate in du Yo, avec le Slark qui vient d'arriver proche de la potom de Atouf, Atouf double leap, Atouf il a sa dagger, Atouf qui va aller mettre son ulti pour se repositionner, il y en a un qui s'est arrêté par exemple, par contre, pendant ce temps c'est Matrice. Oh non mais mec oh, il a cancel le coup de Slark. Il a cancel avec un blink Franny. Il faut le tuer. Oh, il est trop chaud. Ouais, il est mort. Okay. Oh, il est trop chaud. Ah non, ils ont pas gagné, lui il a un buyback. C'est la okay. merde quand même. Allez, Nouvelles, la flèche. Ah ouais. Sur le Yo. Oh, le hammer du Axe. Avec le call plus la Blade Mail. Est-ce qu'il peut tuer le Sla le... Ah, c'est bon, il l'aura tué. Avec Raiden qui va aller pomper quelques stats à Matrice. Mais Matrice, il prend rien. Matrice, il ne prend strictement rien. Il en a rien à foutre. Moja, il en a rien à foutre. Mais pourquoi il est fait aussi mal? C'est un dessin. Il perd 0 PV avec son Terrorblade. À 56 000 de net worth. Yoji qui aura tout juste activé son concepteur. Et mourra sur le starter de la Potom. Ça laissera temps à ZDR de se regrouper à 4 en bas. Jojo est en train de push. Link. Allez, petit Link qui va être posé sur Zeppelin avec Linkswell. Derrière, il y a une super flèche de la Potom qui va les connecter sur Deshi. Deshi qui a un ulti. Deshi qui va lâcher son ulti en barreau d'honneur qui va rebondir entre Zeppelin et MTD qui va aller se perdre dans les creeps. La Potom qui va prendre un rebond d'ulti. MTD qui va prendre un rebond d'ulti aussi à son tour. Zeppelin qui va prendre le bout de l'ulti. Oh, c'est tu. Et Snow derrière qui va tenter la charge sur Izan. Pas d'ulti sur Jojo. Attention à Jojo qui a fait un blink très très offensif. Qui est. Un pixel de prendre la bastos de trop et il va prendre la bastos de trop ou alors ah ils vont tenter non, ouais c'est vrai parce que à hauteur après à part ce que tu disais et le naga de c'est à gauche hein. Allez ils ont tenté de surprendre, c'est bien repositionné du côté à Donneress avec ATX sur le dessus. Pour l'instant, il est en train de tanker le go avec la Myrna qui va tenter le TP-out grâce à l'ulti de l'Oracle et le Terrorblade qui n'osera pas se retourner. Qui est sur la fin de sa méta va revenir maintenant. Est-ce qu'il tente le 1v4 2v4, ils sont combien sur place avec Jojo qui revient de blinking. Oh, regarde les dégâts de ATX avec son Daedalus. Oh la vache, il est en train de trishot Snow. Il va essayer de récupérer Joral. Joral a juste le temps de blink out. Faut pas le laisser taper le ATX. Est-ce qu'il va tuer Snow au passage? Oh, il le tue au passage et Joral est mort sur le DK. Il me semble que c'est Lich. Sinon, il a profité de juste du Kunga. Ah, c'est pas grave. Oh, subtil. Il y a la douche disponible. Je me suis une douche sur plusieurs, ça fait pas grand chose. Ça zone pour l'instant, ça fait peur. Et là, il y a le bateau qui est en train d'arriver. Bateau, est-ce hein. qu'il a la Ganim? Il a la Ganim? Allez, mais touche, bordel de merde! Oh, ça a touché! Ah, touché la Ganim! Oh, ça retouche! Oh là 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 là! Avec le DDD sur MTD pour tenter de récupérer Link qui aura activé son concepteur. La Dro qui va arriver à son tour pour aller repositionner MTD qui est en train de se faire kite par Link qui va aller mourir par le shield de la Lich, pardon. Isaac qui est en train de courir sur Cry. Claiming Armor qui va être posé de la part de Daishi pour l'instant. Joral est à récupérer l'enfant assassin d'ATX. Il a fait dieback et Joral qui revient dans la menace pour la récupérer le Tini. C'est bon? Ah non, c'est clair, ils ont tous les tools. Mais Snow, il faut aussi un tas de malade dans ce game. C'est trop chiant d'avoir un Sky, d'avoir un. Ils vont récupérer aussi, ouais. C'est trop chiant d'avoir un Kunka qui a tellement de farm quand même. Par contre, il est mort avec son timing. Hein. Ah oui. Et GG. Ouais. Et le GG qui est lâché. Et bon, là, on a notre équipe qui termine top 1 de ces group stage. Ouais, propre à 0 respect. Ouais. Ils sont toujours au rendez-vous. Ouais.